to aspire a flame. Distant sparks call to a past still unnamed. Bear this torch against the cold of the night. Search your soul and reawaken the undying light. Là, une fois quoi? Six fers raffinés, ok. Et 8 fers raffinés. Ok. Du coup, pour faire ça, il nous faut 4. En sachant que là, ça c'est du 3 fers et un étang. Ok, donc il va nous falloir de l'étang. On manque d'étain, sérieusement. L'étain d'ailleurs, on peut pas faire quelque chose pour avoir de l'étain. Enfin, faire une graine à étain. Ah, mais étain, c'est du tin. Mais je crois qu'on en a du tin, en fait. Parce que c'est pas de l'étain, mais c'est du tin. Je suis sûr qu'on en a. On en a pas. Super. On a vraiment plus d'étain. Attendez. Ok. J'ai l'impression de pas arrêter d'en chercher en fait de l'étain. C'est ça qui me paraît étrange. J'ai l'impression que c'est ce que je vais chercher le 3-4 matin, donc ouais, why not, après tout. Ça c'est quoi? Ah, c'est du plomb. Je confonds sûrement les deux en fait. Là dedans, est-ce qu'il y a de l'étain? Pour ceux qui étaient pas là, salut. Vous êtes combien ici? Bonjour, vous êtes combien? Combien êtes-vous? Ça c'est du plomb, de l'argent. Du plomb. Ouais, donc non, en fait, de l'étain, on n'en trouve pas tant que ça, j'ai l'impression. Ah. Ce qu'on croit être de l'étain n'en est pas. Ah. Relou. Relou, 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 relou. Ça m'embête. Ok, mon épice est là. Manque d'étain. Bon, attendez, on va finir notre extracteur et puis on voit l'étain après. Ok, donc ça c'est fait. Du coup. Oh purée. Oh le temps. C'est pas grave. Où trouver de l'étain? On va aller du côté de la mine. Peut-être dans les mines de. En soi après, je crois qu'il nous en faut que 4. Parce que comment est-ce qu'on peut faire. Mais attendez. Ça me paraît bizarre. On a fait les graines en quoi là? Ah non, on n'avait pas fait ce en temps.
Ok. C'est persuadé. Peut-être qu'on a parlé qu'on devait les faire. Salut toi. Je sais pas. En tout cas, c'est pas la première fois qu'on en rate de d'étain. Voilà. 5. Donc du coup, attendez, pour se faire la graine. Oh, la graine, honnêtement, c'est que tu tires 3. C'est pas compliqué, ok. Dit-il. Dit-il alors que tu tires trop au début de la... Il n'y a pas si longtemps, il galérait. Mais je vous rappelle que maintenant, c'est super facile. Tac, donc en plus, ça, voilà, ça c'est plein. Du coup... Alors, cristal et le reste, je crois que c'est les essences. Voilà, alors. Boum. Tac. Boum. Boum. Parfait, ok, on a déjà les 4. Donc du coup, hop, il va nous falloir des seeds. Infernium. Oups. Tac, on va mettre une petite infernium ici. Tac, ici on va laisser le blast faire. Tac. Ok. Du coup. Maintenant, préparons une crafting seed. Donc pour ça il nous faut, ok, il faut une graine comme ça avec des prosperity shards. Une fois qu'on aura la graine, ça va être facile. Mais bon, c'est le temps de se faire la graine. Prosperity Shard. Tac. Boum. Ok. Bon, hop. Tac. Hop, on en a 2, on en a 4. Tac, du coup là on la passe au tiers orange. Parfait. Et maintenant il va nous falloir pas mal de comme ça. En attendant, on va tout de suite se faire ça. Le minecart cochon. Ah, il est toujours dans la machine. Parce que bon, honnêtement, Steve Carts. C'est nul. Non, disons que Steve Carts, c'est un mode qui m'intéresse pas du tout en fait. Je sais pas, moi c'est... Enfin, ça a toujours été un mode qui me suis dit... Enfin, j'ai toujours essayé de m'y intéresser, mais ça m'intéresse pas. Pourtant, je le mets même dans l'aventure modée, il y était. Mais non, si c'était pas attaqué parce que ça m'intéresse pas. Voilà, mais le minecart cochon est. Il est là. Tac.
Bon, ici ce travail, cool. Du coup, tac. Hop. Mince, mon cristal. Tac. Parfois, on a du plomb pulvérisé, ça c'est cool. Bon, après, minerai d'étain, ça va être cool. On va le pulvériser. Tac. Dans 2 secondes. 2 secondes, on t'a dit. Voilà, fais-moi cuire ça. Tac. Mince. Ah! Poum. Hop, et on va mettre les essences. Tac. Bon, ça nous en fait deux. Et on obtient, ok, du fer pulvérisé, c'est cool. Tac. Neuf. Tac. Para, est-ce que tu pourras faire une FAQ en live avec une liste de questions qui reviennent souvent et des questions du live? En vrai, il n'y a pas. Enfin. Le concept m'intéresse. J'ai déjà pensé plusieurs fois. Mais le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de questions. Enfin. De questions auxquelles je réponds pas déjà en live ou. Enfin, des questions qui sont. Qui sont secrètes, on va dire. Genre, mon âge, tout le monde le connaît. Enfin. Plein de choses comme ça, ce qui fait qu'au final, bah, ma vie n'est pas très très intéressante, quoi. Trois. Mais oui, une FAQ, j'y ai pensé. Enfin, plus que j'y ai pensé, je suis grandement en train de réfléchir à. On prépare une. Après, est-ce que ce sera en live ou pas, je sais pas. On verra. Mec, qu'ils me finissent ça. Mais je pense que oui. Enfin, logiquement, ce sera en live. Mais bon, si je la fais, je l'annoncerai d'abord en vidéo. Histoire qu'on peut. Enfin, histoire qu'on pose un maximum de questions. Avoir un maximum de questions. Parfait, on a tout. Hop. Sûr d'avoir un maximum de questions pour pouvoir ne pas être. Et pouvoir répondre à un maximum de choses. Tac. Pourquoi pas, honnêtement? Je suis pas contre l'idée, mais je sais pas. Alors du coup, tac, tac. Pour se faire ça, c'est du 3 cuivres et un étain. Donc un étain et 3 cuivres dans le smelter. Oh mais attendez, on avait de ça, ok. Oula. Faut savoir que bon, pour ceux qui ne sauraient pas, mon anniv c'est le 20. Le 21, j'ai fait une grosse commande. Mais genre je crois que la plus grosse commande de ma vie. Où je me commande mes deux écrans normalement. Je me commande un AVerMedia. Bon,
C'est con de commander un avoir midi alors qu'on n'a pas la console. Mais alors qu'on n'a pas de console. Mais bon. Pour éventuellement une future Switch. Voilà, je me commande plein de petits trucs comme ça qui vont être super utiles. Et donc ça va être super cool. Et donc ça va être super cool. C'est de l'argent. Du coup, ça a dû. Voilà. Poum. Poum. Lingot d'Invar. On a vraiment pas. On n'a pas d'Invar. Du fer et du nickel. De fer et un nickel. De fer. Pour un nickel. Toc. Tu essayes plus de contenter tout le monde, ou tu essayes de faire ce que tu veux sur YouTube? Un peu des deux en fait. En fait, disons que j'essaie de contenter les gens, mais si ça m'intéresse, si moi ça m'intéresse pas, bah c'est mort. Mais enfin, si ça peut contenter les deux, tant mieux quoi. Ah, il m'en faut un autre. C'est combien? C'est 3 fers pour un nickel? Je sais même plus. 2 fers pour un nickel. Tac. Mais ouais, enfin de toute façon, autant être franc, on peut jamais contenter tout le monde. Je voulais tester. On va tester de se crafter ça. Je sais pas du tout ce que c'est. Tac. Hop. Et on a celle-là. Bon, au moins, voilà, on a les deux. Trop bien. Inutile, mais trop bien. Inutile, donc indispensable. Est-ce que ça rentre là-dedans? Non. Dommage. Ok. Inutile, donc indispensable. Ah, c'est de l'inventaire de science. Waouh. On n'a pas tous la même utilité d'avance science, mais bon. C'est pas grave. Tac. Lingot de nickel, ok. Du coup, quitte là. Du coup, je crois qu'on a tout. Donc vraiment un lingot d'Invar. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Qu'est-ce qu'on... Non, c'est bon. Tac. Boum. Voilà, hop, on l'améliore. Question énergie, on arrive complètement à suivre. Donc ça, c'est cool. Comment est-ce qu'on augmente nos alloy smelters? On est obligé de passer, par contre, de l'un à l'autre ou pas? Du signalum. Oula, ça devient compliqué, là, après. Non, là, honnêtement, là, ça cuit assez rapidement.
Parce que je crois que genre si je tape Alloy, Alloy Smelter, je crois qu'il y en a plusieurs tiers. Ce serait bien comme ça. Voilà. On a le Alloy Smelter. Ah ouais, ok. Alors le smelter et le... Ok. Ou à moins que je vérifie dans Under.io qu'on n'ait pas de truc d'amélioration, mais je crois pas. Donc tout ça c'est Under.io. Non. Donc faudrait qu'on se fasse ça. Honnêtement c'est... Bon en vrai c'est pas compliqué. Ah non, ça c'est pour le Simply le smelter. Nous ce qu'il nous faut c'est... C'est. Nous, c'est. Ce serait du coup celui-là, l'Alloy Smelter, qui est déjà beaucoup plus compliqué à faire. Ouais, qui est plus chiant à faire. Ok, du coup, tout ça c'est fait, donc ça c'est bon, ça c'est bon. L'extracteur, je crois qu'il tourne. Il tourne. Machine upgrade. Ça vient du mode quoi? Tech Rebound. Oula!